contraire, la chanson de Selena Gomez, c'était une chanson plutôt douce, calme. Et ça faisait écho à des visuels qu'on avait en tête pour un concept basé sur du papier découpé. On a pensé à Harry et Diptyque pour cette collaboration parce que ce sont des créateurs justement qui nous avaient inspiré ce type d'univers à base de papier découpé. Harry et Diptyque sont des créateurs basés à Mumbai et ils ont un imaginaire extrêmement fort avec un style très identifiable. Donc on voulait aller dans cette veine un petit peu merveilleuse pour cette chanson. On a essayé de voir comment on pouvait concevoir trois univers, donc le monde plutôt végétal, qui allait être éclairé en vert, celui marin, aquatique, qui allait être éclairé en bleu, et le monde souterrain, plutôt dans les tonalités de rouge, orange. Pour ce monde de contes de fées, le personnage qu'on voyait, c'était une princesse. Il fallait donc concevoir aussi un costume et une coiffe qui restent dans l'esprit du concept de la map sur le concept du papier découpé. Donc pour le tournage d'un même décor, on avait plusieurs passes successives avec des éclairages différents à chaque fois qui nous permettraient, in fine, de faire la superposition de ces différents éclairages-là et de les animer, de les révéler au fur et à mesure de la découverte du paysage. J'espère que les joueurs pourront à la fois être totalement investis dans leur chorégraphie et en même temps prendre le temps d'apprécier cette découverte de cet univers merveilleux.